Hey hey hey, que mes petits que, bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord and Lady Challenge, où bien sûr je vous accueille comme d'habitude sur cette vue de maison. Non mais en plus c'est tellement beau, on va pas se le cacher, le ciel étoilé, la jolie maison, c'est quand même très très beau Enford, hein. Voilà, même la nuit quoi. Écoutez, on est bien installé. J'espère que vous aussi. Et on va suivre toujours les petites aventures de nos seigneurs sauvaires. Et puis peut-être sûrement l'arrivée du dernier petit bébé. L'enfant, j'allais dire le fils, mais j'en sais rien si c'est un garçon ou une fille. Mais le dernier enfant de notre petite Justine et de notre grand Philibert. Et oui, ça y est, le moment est venu. Ah, Justine est déjà réveillée. Une envie de pisser pressante, le bidou qui est bien rond. Elle en est où déjà du coup? Troisième trimestre dans 6 heures, très bien. Ouais, donc petit bébou va arriver. Hein. Tout doucement mais sûrement, j'ai déjà préparé le petit berceau pour s'en arriver. Comme on a moyen de place, c'est un comble hein, pour des seigneurs. Mais le bébé sera là en attendant. Et parce que Justine, elle a très envie de s'en occuper. Elle a dit que c'est sûrement son seul enfant qu'elle aura. Donc qu'elle veut être très très proche de lui. Et puis après, bien sûr, Marianne prendra le relais, évidemment, pour les tâches quotidiennes un peu moins sympas. Comme les couches, le bain, peut-être. On ne sait pas, on verra. Notre jolie Demelza a été relookée entre-temps. Voilà des petites rondeurs, hein, et ça on l'avait vu de toute façon. Je lui ai gardé la même coupe de cheveux qu'elle avait quand elle était petite. Comme ça je les reconnais, parce que comme j'ai trois filles rousses, à un moment donné, va falloir aussi que j'arrive à les reconnaître de loin. Donc voilà. Et bon, bah, on la verra mieux quand elle sera de meilleure humeur et habillée, tout ça quoi. Ça sent la préparation pour aller à l'école, tout ça. Et bien sûr, Nathalie s'est levée trop tard pour préparer les petits déj. Comme d'hab. Bon bah ça y est. Ça part à l'école, à Zénor, la Prums, suivi de Lancelot. Lancelot, je pense qu'il ne sera pas encore adolescent tout de suite. Il le sera, je pense, pour l'épisode prochain. La jolie Sixtine. Ouais, j'avoue que j'ai un gros crush sur Sixtine. Ouais, voilà, elle a l'air un petit peu blasée. Et il manque, du coup, la dernière, Demelza. Mais non, c'est vrai, Demelza l'a grandi trop tard pour aller à l'école aujourd'hui. Regardez notre beau Filou. Filou, Filou, il a la barbiche qui a bien poussé. Je vais rajouter aussi un petit accessoire en mode habit normaux, ce pas quand il est en pyjama. Vous allez le voir, je trouve que ça fait vraiment très seigneur. Regardez-moi ça, lui il a envie de jouer du violon alors que sa douce est en train de faire du point de croix. J'ai rajouté quelques petites décorations dans la maison comme quelques petites plantes, tout ça. Des plantes, des vases un peu partout histoire de donner un peu de vie. Vous voyez, il y a une plante là, il y a une plante là, il y a une nouvelle plante là. Il y en a une ici, tout ça. Bon, ça ajoute un petit peu de vie, un petit peu de cossu, tout ça, tout ça. C'est bien, Nathalie, elle fait ses tâches sans que je lui demande. Pour une fois, c'est fait au moins. Oh, et puis dans le jardin, je vous ai pas montré, j'ai rajouté ce petit coin avec une pergola. J'avoue que Bridgerton m'a peut-être inspirée là-dessus aussi. Donc on a ça au jardin pour pouvoir discuter, profiter du temps, sachant qu'on est en été. Ça se voit pas trop, hein, il fait un peu gris-gris. Mais bon, et j'ai agrandi aussi la terrasse à l'arrière de la maison. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, mais elle est grande. Mais regardez-moi, elle va faire la lessive. Mais tabarnak de colis. Eh ben, dis donc, je l'ai bien dressée, hein, ça y est, elle s'y met enfin d'elle-même. Wapa ! Quel plaisir. Oh, regardez, 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 regardez. Regardez comme il est beau. Ah, regardez ça. Le petit monocle de... Oh, seigneur de Richou, on y est. Regardez, qu'est-ce qu'il est. Oh là là, il est fier. Quel bel homme. En plus, bon, bah, il commence à avoir de l'âge, notre petit. Hein, donc, bon. Il est bien loin, le jeune freluqué, là. On est sur un seigneur. Oh, je crois qu'il veut nettoyer l'assiette. Eh ben non, mon seigneur, vous n'allez absolument pas nettoyer les assiettes. Va les peindre, tiens, ça te fera les pieds. Et voilà, oh, un chef-d'œuvre. Du rat Napoléon, ou je sais plus, c'est un écureuil je crois. Tu vas admirer, tu vas le mettre dans l'inventaire. Il est à combien? 2241, bah tranquille quoi. Tandis que nos petits enfants, nos grands enfants rentrent de l'école. Filou, tu as fait quoi avec le linge? Oui, bah c'est ça, ça te rend malade hein, de travailler. Mais qu'est-ce que c'est que ce mignon ça? Ils sont tous dans le salon. Mais c'est trop choupi. Ok, ça fait bizarre, Sixtine, comment tu touches le bébé. Très bizarre. Tiens, ma petite Sixtine, si tu pouvais me jouer un petit concerto, là.
histoire que tu te remontes le moral avant de te faire tes devoirs. Mais elle joue trop bien, hein. C'est un truc de fou, hein. Enfin, je sais que je vous le répète à tous les épisodes, mais... c'est hyper agréable de mettre ça en fond, et puis vous jouez avec les autres personnages et vous avez le piano, quoi. C'est trop cool. Ah oui, je suis pas la seule à être captivée, hein. Trop bien. J'ai demandé aux filles d'aller faire leurs devoirs. Et ben... je les ai mis dans la salle à manger. Bah non, elles veulent faire ça dans le salon. Bah voyons. Ah bah pile quand Lancelot a fini. Super, bah Marianne, tu vas pouvoir t'occuper de Demelzin. Parce que Demelzin, bah elle a pas encore fait ses devoirs, c'est ses premiers. Donc faut lui expliquer la méthode, tout ça. Nathalie. T'es sûre que t'as rien à faire, Nathalie? Moi je suis pas sûre. Voilà, tu vas me vider la lessive sur la corde à linge. Non mais dis donc. Désolée, mais Lancelot, lui c'est le violon. Donc il s'y remet. Voilà, et ça va être quand même moins agréable que le piano de Sixtine, hein, ouais. Vous plaignez pas, hein, c'est moi qui me prends plus les angoisses des oreilles que vous. Et voilà, Demelza, finissez de voir, au top. Tu vas du coup aider un petit peu Azenor, qui n'a pas fini. C'est qui nous fait une belle toile, hein, le filou. Regardez-moi ça, je l'avais jamais vu. Ah bah voilà, ah bah dis donc, c'est la cacophonie, là. Deux violons, un piano. Bon, Lancelot, je pense qu'il est minuit. On va te dispenser de jouer encore et tu vas être couché. Hein. Allez, bonne nuit, mon grand. Ouais, un pitre, youpi. Philibert qui veille encore sur sa maisonnée. Oui, la couche, tu vas bientôt y retourner, mon grand. Tu vas aller te coucher. Parce que tout le monde y est. Regardez-moi qui est déjà debout avec le gros bidou. Une envie pressante. Ouais. Ah bah ça va être ouais, ça va être maintenant en fait, ça va être ce matin là. Oui. Oh là là. Oh, je suis pas ready du tout là les enfants. L'école commence dans une heure, mais ils vont prendre un petit déj. Toi tu iras aussi aux toilettes, mon petit Lancelot. Qui d'autre doit aller encore aux toilettes? Ça urge pas trop pour les autres. Bah Demelza elle est bien. Demelza elle est nickel. Elle a bien dormi là. Azenor aussi pour une fois, elle traîne pas. C'est bien, commence à avoir des bonnes habitudes celle-ci. C'est l'heure de l'école pour tout le monde. Oh, Demelza, quelle jolie robe. Bon, et ben vraisemblablement, on doit encore faire une lessive, malgré les deux paniers que j'ai installés. Hein. Bon bah, on va qu'à nos petites occupations favorites, comme la peinture, la broderie, avant que Bébou arrive, parce que ça va pas tarder. Qu'est-ce que tu fous, toi? Pourquoi tu voulais faire la lessive? Ça va pas bien? C'est pas ton taf. Ouais, elle s'ennuie, elle. Vivement que le bébé arrive, elle aura de nouvelles occupations, parce que Marianne se fait chier. Ouais. Bah, les quatre enfants sont à l'école, donc elle ne sert plus à rien. Attention, attention! Bébou arrive! Aïe, aïe, aïe! Est-ce que ça va bien se passer? Cet accouchement? Ouais, je l'espère. Le travail a commencé! Et elle est plutôt zen. Non, elle va s'arrêter. Il va falloir aller aux toilettes. Et notre ami Filou va flipouser. La panique se lit sur ses yeux. Oh, qu'est-ce qui se passe donc? Mais oui, ça y est, l'accouchement est là. Nobu is coming. Mon petit Filou, n'aie pas peur, ça va bien se passer. Enfin, du moins, Justine a un certain âge déjà, donc peut-être que son corps ne va pas suivre. Oh, on croise les doigts. Non, mais là, il part en courant, il partait appeler les pompiers. Hein. Il s'est dit, non, mais là, ma femme va peut-être crever. J'en ai déjà perdu une, ça suffit maintenant. Et le bébou sera donc... c'est une fille! Oh, bah dis donc, je m'y attendais vraiment pas. Comme quoi, au début de l'épisode, j'ai dit garçon, mais parce que c'est vrai que vous aviez voulu un garçon. Bah, malheureusement, c'est une fille. Et pour son prénom, elle s'appellera Bertille. Je savais pas trop quoi faire, j'avoue que j'ai un petit peu déjà bien entamé la liste de prénoms que j'avais préparé pour ce challenge. Et il en restait plus beaucoup. Donc Bertille Sauvert est arrivée dans la maison. Et hop là, une petite Nobu en plus. Bienvenue Bertille. Oh, regardez comme elle est contente, elle est fière. La prunelle de ses yeux pour notre petite Justine. La prunelle de ses yeux vient de naître. Sa petite Bertille. Bertille Sauvert. C'est beau. Et c'est cette petite bouille qui sera le tout dernier bébé de ce challenge. Et oui, il faut bien finir un jour. Alors,
T'es fière? Tu m'as fait 4 filles, un seul garçon, quand même. Bon, maintenant, ce qu'on espère, et ce que vous espérez dans les commentaires, c'est qu'elle ne soit pas rousse. Parce que là, franchement, 4 filles, 4 rousses, ce serait du lol en barre. Hein, là, on est d'accord. Viens rencontrer donc ta fille. Oh, ma dernière petite prunelle de mes yeux. Non, ce serait cool qu'elle ait les cheveux noirs et les yeux bleus de sa mère pour changer un petit peu, parce que là... Parce que là, au niveau du roux, effectivement, j'adore ça, mais... Tu vas lui mettre la grenouillère qui te reste, d'ailleurs, je crois. Ouais, comme ça, ce sera fait. Oh, une grenouillère rose, en plus. C'était même pas fait exprès. Oh, regardez-moi ça. L'amour. Elle a survécu, ta femme, hein, mon petit. Une belle famille unie. Une réunie, surtout. Hein. C'est l'heure de la lessive pour Nathalie. Ah, en plus, la lessive est sèche, ici. Tu pourras l'emmener. Puis on devrait être tranquille quand même un petit moment, là. Les petites Bertie, il y a des sacrés poumons parce qu'elle commence déjà à hurler. Youhou! Bon, faut que je fasse gaffe parce qu'elle est quand même très joueuse là. Faudrait pas qu'elle nous tape de l'hystérie. Hein. Les enfants reviennent de l'école. Sixtine est ravie. C'est dit, ouais, j'entends d'ici le gamin qui pleure. Wesh, vas-y, j'en ai marre moi. Je suis l'aînée, bordel. J'en ai marre d'avoir des petits frères et petites sœurs quoi. Et on nous a ramené ça. Claire Nourrier, qui est donc une fille de noble. Bon, bah, relooking s'impose, mais à part ça, elle a l'air mignonne, hein, bon. Voilà, Marianne a de nouveau une occupation, s'occuper de la petite Bertille. Bon, vous reprendrez bien un peu de cacophonie? Hein? Très sympa, hein? Bah, dis donc, ce soir, il y a du bon poulet au genu. Non, je vous rassure, c'est pas Bertille que j'ai fait cuire au four, non, c'est un poulet. Non mais ça va pas! C'est tellement horrible, ces deux violons en même temps, je vous partage pas mon désamour, mais... Mais quand même un peu, quoi. Oupsie, Bertille pleure. Bertille a besoin de... Qu'on s'occupe d'elle. Peut-être lui donner à manger, tout ça. Hein? Mais qui frappe à la porte de si tard? Oh, c'est Archibald. Oh, c'est le frère... C'est le frère d'Isabella. Hein. Isabella qui est décédée maintenant, mais... Il faut pas oublier la famille, quand même. Si, si, la famille. Allez, Azenor. Je pense que tu t'es assez bien entraînée aujourd'hui au violon... Il est 22h30, tu peux vaquer à tes occupations. Demelza, tu me fais quoi là? Tu te mets au violon? Tu veux t'essayer aux deux? Pourquoi pas, Bredou? C'est vrai que je vous ai attribué comme ça 1 sur 2, mais si t'as envie d'essayer le piano et le violon... Bah, rythme mes oreilles, quoi, aussi, hein. Allez, y a un mec qui est là, on va jouer aux cartes. On va en profiter, non? On va jouer au poker. Ah bah! Du don, Azenor! Azenor, c'est pas bien ce que tu fais. Ah... Bertie a besoin un peu de sa maman. Ah, le monstre pour Lancelot. Marianne est demandée à l'accueil, s'il vous plaît. Marianne! Voilà. Tu vas demander de vaporiser, t'inquiète. Mais qui toque à la porte à 1h20 du matin, Sigismond? Ça va pas? Mais qu'est-ce que tu fais la vaisselle, toi aussi? Mais ça va pas. Oh là là. Mais ils sont buggés, hein, ces Simpsons. Il n'y a plus rien qui va dans leur tête. Hein. Et un réveil en fanfare, un pour les parents. Bah écoute, tu vas nourrir, tu vas l'allaiter et la bercer. Ça va, t'as jamais eu trop à te soucier de ça, mon petit. Bah il s'en fout, je sais pas ce qu'il va aller faire. Il va aller nettoyer les toilettes, non mais on aura tout vu ici. Et merde, le poulet, il est pourri. Ah, mais je viens de capter qu'on était samedi. Mais c'est parfait ça, c'est parfait pour s'occuper bien des enfants et inviter les jeunes hommes qui seront peut-être les prétendants de Sixtine, d'Azenor. Et... Ah bah super, bah elle tousse elle déjà. Ah puis alors, qu'est-ce que c'est que cette boîte en métal que tu as dans la main? Toujours pour faire connaissance avec les enfants parce que Justine et Sixtine, c'est pas top. Hein. Avec Azenor c'est plutôt pas mal. Avec Lancelot, elle est bien aussi. Mais Sixtine, je sais pas, soit elles prennent pas le temps de discuter, soit ça passe pas très bien. En même temps, Sixtine, c'est celle qui a connu le plus sa mère, donc peut-être qu'elle a du mal à accepter sa belle-mère. Marianne, c'est bien gentil de discuter ou de faire tout ça, mais t'as un bébé qu'il faut que tu t'en occupes là. T'as tendance à oublier un petit peu, ma cocotte. Encore quelques moments de cacophonie, un joli piano de Sixtine et le violon de Lancelot. Lancelot grandit dans 5 jours, on a encore un peu le temps pour avant de le voir adolescent. Profitons-en. Oh non, un pitre est passé par là. Bah voilà. Et lui, il est content. Ouais, mais ne te réjouis pas trop vite.
Oula, il y a des looks, il y a plein de jeunes hommes qui arrivent. Et pourquoi ils vont tous monter, quoi? C'est quoi leur délire? Non, mais c'est parce que là, on va commencer à vouloir caser les filles. Donc, vous allez vous asseoir et discuter ici, les petites, mes jeunes demoiselles, avec les dames oiseaux. Et on va les appeler et puis on va faire le tri. Regardez-moi ce beau conglomérat de filles rouquines et de quatre garçons bruns. Maintenant, il y avait un blond. Mais il est passé où, le blond? Non, mais mec, on t'a pas demandé de t'occuper des enfants, en fait. Tu fais chier. Non, mais sérieux. Et puis c'est... Oh là là. Tu m'as cassé les noix, mec. Tu me les as cassées. Sache-le. Voilà. Alors, tout le monde est là. Il y a donc 1, 2, 3, 4, 5 garçons. C'est pas mal. Je vais en choisir deux, je pense, aussi en fonction des âges pour notre belle Sixtine. Et peut-être aussi Azenor. Et ensuite, je garderai le reste pour Demelza. Le sondage sera sûrement déjà dans la description, donc n'hésitez pas à checker. Et je vais vous montrer donc ces jeunes hommes. Alors déjà, au niveau des âges, on fait un tri. Le métis et le blond, ce sera plus pour Demelza. Les trois autres seront pour les aînés. Hein. Voilà. Commençons alors avec Angelo Somano. Il est donc romantique et adore la nature. Nous avons également Florent Simon qui ressemble quand même beaucoup à Angelo, mais qui n'ont pas les mêmes traits de caractère parce que lui, on n'en a qu'un et il est génie. Et en dernier, nous avons Raphaël qui lui est actif et égocentrique. Et oui, on ne peut pas tout avoir, hein. Il a une belle gueule mais il a un petit défaut. Ces jeunes hommes-là donc seront à départager. Je pense que je vais vous faire deux sondages. Le premier, ce sera donc avec les trois jeunes hommes, mais pour notre Sixtine, et le deuxième ce sera les troisième jeunes pour notre Azenor. Donc essayez de faire un vrai tri, hein. Lequel des trois pour Sixtine, lequel des trois pour Azenor. Bien sûr, il y aura un perdant dans le lot, et puis Demelza aura le choix entre les deux autres là, donc c'est bien. Oh bah reviens au lieu de vouloir faire la vaisselle là. Tu vas te présenter respectueusement à tes peut-être futurs gendres. Il y en a que tu connais déjà apparemment, donc c'est sympa, mais peut-être pas tous. Bon bah ils sont déjà en train de partir de toute façon, donc mais c'est sympa, j'aime bien ce petit coin et tout. Voilà, ils s'en vont tous. Oh, Azenor, je crois que tu dois aller pisser. Bah vas-y, je te libère de tes obligations. Oui, ça suffit, c'est bon, les conventions, ça te plaît pas, j'ai compris. Bon allez, à fond, hein, Justine s'est découvert une passion pour le... oh, le violon. Oh là là. Super, Lancelot, ça faisait longtemps. Bon, il y en a un qui fait les prolongations, là. Raphaël, tu te croirais pas déjà un peu chez toi, toi? Après, c'est vous qui voyez, quoi. C'est sympa, ils sont presque tous à table et tout. Bon, bah, rien se greffe, bien sûr, à la famille, mais... Voilà. Oh, d'ailleurs, il y a Bertie qui pleure, ma Marianne! Tu fais que de la marde! Allez, tu t'en occupes, là. Minuit 14, il est temps d'aller se coucher pour nos petits Sims de cette génération. Oh là là! Ils sont beaux. Oh là 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 là. Et ça va déjà être l'anniversaire de Sixtine qui va devenir une jeune adulte. Ça grandit trop vite ces machins là. Trop vite. Allez, une fois n'est pas coutume. Je vais vous dire au revoir sur un crac-crac de nos amoureux. Et non, je vous réserve pas d'autres surprises là. On s'arrêtera à 9 Sims dans le foyer, c'est déjà bien assez. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager sur vos réseaux sociaux comme d'habitude. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bah encore pour pas mal de petites choses. Hein. Ça va être intéressant tout ça. Allez, des bisous. Ciao, ciao.